Salut les amis, salut tout le monde, bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée Réveil d'Afrique. La femme du colonel Célestin Willy Vogui, inconsolable. On va demander justice, mais pour le moment qu'il nous restitue le corps. Elle erre assise à la maison des emparés. À ses côtés, ses enfants, parents proches et voisins qui viennent compatir à sa douleur. Monsieur Billy Vogui n'est plus. Madame Billy Vogui, la Ratou Bangoura, pleure la mort de son mari après près d'un an d'angoisse dû à l'enlèvement et la disparition de celui-ci à Conakry. Elle a reçu un appel dans la matinée de mercredi 25 septembre 2024, lui annonçant la triste nouvelle. Ce matin, quelqu'un m'a appelé pour dire « Je peux partir au camp Samori ». Je lui ai demandé « Qui est-ce ?» Il m'a dit que ce n'est pas Madame Célestin. J'ai dit oui. Il m'a dit « Tu peux aller au camp Samori au BQG ». J'ai dit, si c'est à propos de mon mari, je suis disponible. Donc, j'ai appelé le petit frère de mon mari pour le lui expliquer. Il m'a autorisé à partir. Quand je suis arrivé, ils ont commencé à appeler de gauche à droite. Après, nous sommes montés dans le véhicule pour aller à la mort d'Ignace Ndem. Ils ont fait sortir le corps et m'ont demandé de l'identifier si c'est mon mari. Comme il avait deux signes sur son corps, j'ai vérifié et j'ai trouvé que c'est lui. Ils m'ont dit de prendre courage en disant que c'est Dieu. Ils ont cherché un taxi pour me ramener à la maison, a-t-elle témoigné. Selon Laura Tour Bangoura, le corps de son mari ne lui a pas été rendu sur place après l'identification. Et les militaires qui l'ont appelé ne lui ont pas dit non plus quelle est la conduite à tenir. Ils ne m'ont rien dit. Lorsque j'étais là-bas, j'ai appelé son frère. Je lui ai envoyé le numéro qu'il m'a appelé. Maintenant, on a appelé ce numéro, mais personne ne décroche, a-t-il fustigé. Maître Madame Billy Vogui a ajouté que rien ne lui a été révélé sur la cause du décès du colonel Célestin. Mieux que tout ça, désormais, elle sollicite amèrement la restitution du corps de son mari. Et bien les amis, c'est ici que prend fin ce tout petit bulletin d'information. Restez abonnés, restez à la chaîne. Partagez la vidéo si vous la trouvez intéressante. À très bientôt.